Puisqu'il faut faire une conférence, faisons une conférence. Cela m'est complètement indifférent. Bien que je n'aie aucune qualité, que je sois nullement qualifié pour vous parler de quoi que ce soit, bien que je ne sois ni conférencier, ni orateur, bien que je ne possède ni la moindre éloquence, ni le plus petit titre scientifique ou autre pour me retrouver en ce moment même devant vous, je déclare que depuis 30 ans, inlassablement, et ce même au préjudice de mon état de santé et de ma quiétude et de beaucoup d'autres choses du même genre, avidement je me penche. Je me penche sans cesse sur des problèmes rigoureusement, je dirais même hautement scientifiques. Je torture à tel point mes méninges qu'il m'advient quelquefois d'arriver à rédiger des études scientifiques, qui, je concède, ne sont peut-être pas scientifiquement scientifiques, mais qui ont une indiscutable apparence scientifique. Entre autres documents de ce genre, je suis l'auteur d'un important article auquel j'ai donné pour titre « De la malignité de quelques insectes ». Je ne m'attarderai pas sur le retentissement qu'a pu avoir cette publication, je l'ignore. Du reste, ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est que cet article a prodigieusement intéressé mes filles. Principalement la partie qui avait trait aux punaises. Oui, mesdames et messieurs, aux punaises.